faisons des canons anti-grêle par onde de choc, principalement pour le secteur de l'agriculture, mais aussi pour automotion, automobile, aéronautique et énergie rénovable. Et on fait aussi des tours anti-gel pour l'agriculture, pour la protection de tout type de culture contre le gel, contre le froid. Et ben on remercie parce que c'est vrai qu'effectivement on a un très beau pavillon, on a une très belle place. Il y a beaucoup de monde. Pour nous, c'est un marché important, le Maroc, qu'on veut récupérer. À l'époque, il y a des années, on a déjà fait beaucoup de ventes ici dans le marché marocain. Ça fait plusieurs années qu'on n'était pas présent sur le marché marocain. Et là, on veut vraiment remettre en place le, pour nous stratégiquement le marché marocain. Nous avons le fin de la fabrication de tout ce qui est les serres métalliques, les serres des macro-tunnels, les serres canariennes. Les serres qui s'utilisent dans les cultures comme la tomate, la culture des fruits rouges ou les plantes aromatiques aussi. Et ainsi, on a aussi un département de l'irrigation, de la partie de tout ce qui est l'irrigation. C'est un service qui part depuis la pompe, la filtration, le goûteur, tout ce qui est le bassin, le mesbah de l'irrigation. On a aussi tout ce qui est les accessoires les serres, le filet, le tamis, les pots, on a le plastique, les fibres de coco. Bon voilà, on a de la foire à l'Amada, c'est la première fois qu'on a fait la foire de la CM, de la MKNES, avec la collaboration qui est entre l'Espagne et le Maghreb, à l'Amada. Alors on est aussi des invités d'honneur à l'Amada et on est très contents pour notre troisième jour. Et ça se passe très bien, alhamdoulilah. Quand vous avez les visiteurs, vous avez les clients, quand vous avez la connexion entre les clients au Binadna. Espérons que, Inch'Allah, c'est la première fois, et que, Inch'Allah, nous serons les prochaines fois, ou qu'on soit plus présent, Inch'Allah, dans le Maroc, Inch'Allah. Mais ne sache pas de vous abonner à la chaîne et de vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne de l'Alam 24.